Bonjour, j'avais un ami écologiste de l'Alternativa, Benoît, qui est du Mans, de faire une petite vidéo pour montrer l'utilisation d'un instrument de musique qui ne nécessite aucun investissement financier et aucun matériel en fait, si ce n'est vos propres mains. Alors j'appelle ça le manophone. Manophone parce que phone comme le grec, je crois que ça veut dire son, audio, et mano parce que c'est mano. Alors c'est pas le groupe mano, hein, c'est juste les mains. Donc manophone. Alors comment que ça marche? En fait, vous mettez vos mains comme ça, l'une par-dessus l'autre, et vous fermez, et vous devez former un bloc comme ça, un bloc bien fermé de tous côtés, y compris là. Vous voyez, là et là. Vous fermez bien, et là vous avez un orifice entre les deux pouces. Attends, je suis obligé de me tendre un peu là. Ah, je sais pas si vous voyez. Entre les deux pouces. Voilà. Et c'est par là que vous soufflez. Voilà. Et en fait, comment faire les notes? En fait, c'est en fermant. Alors, en fermant. En défermant, en serrant et en desserrant les mains, mais tout en gardant le tout fermé. Hein. Allez, je fais ça, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. C'est comme ça qu'on fait les notes. Alors, je fais une petite démonstration avec un morceau de classique très, 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 très connu. Alors vous l'aurez tous reconnu, c'est... Ouais. Bravo, c'est Carmen de Bizet, qui est tiré d'un roman de par Robert Mérimée d'ailleurs, qui s'appelle aussi Carmen. Donc voilà, c'est l'opéra le plus célèbre au monde. Ah, vous pouvez vous entraîner. Alors au début, évidemment, vous ne sortirez qu'un son du genre... Parce que vous aurez. Déjà, ça, vous aurez un peu de mal. Mais ça demande de l'entraînement. Donc, Benoît, comme toi, tu es un sportif, tu as l'habitude de t'entraîner. Je pense que tu vas y arriver au bout de 2 ou 3 heures. Ensuite, ce qu'il faut, c'est s'entraîner en serrant et desserrant les mains. Comme ça. Voilà. Vous pouvez après vous réunir entre potes pour faire, je sais pas moi, bah justement, peut-être pas un opéra, mais enfin, faire des arrangements musicaux. Alors, vous voyez, le son est quand même très proche de certains oiseaux qu'on entend dans la nature. Par exemple, le pigeon. Le pigeon, ça fait... alors, ça fait aussi parfois ça. Voilà, il y a un autre animal dont le son est à peu près proche de ça. C'est un strigiforme, donc un oiseau rapace de nuit, c'est simplement la chouette. La chouette, elle fait... Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur le manophone. J'espère que ça aura amusé plus d'un, puis que ça fera naître des vocations de musiciens sans instrument. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.